Afrique. Un message à la population américaine et à la population canadienne. Aujourd'hui, le Canada marche sous la tutelle des États-Unis pour venir coloniser mon peuple. Nous dénonçons l'infantilisation de notre police nationale. Regarde une police nazifiée. Les policiers ont toujours peur pour massacrer le peuple. Ils ont été capables de déloger les gangs. Vous êtes des Haïtiens ou des Américains ou des Canadiens pauvres à peau noire. Nous dénonçons la tutelle de notre police nationale. Voilà pourquoi vous avez assassiné Jean Baptiste. Pourquoi est-ce qu'il a tué nos militants? C'est ça qui va arrêter la bataille contre vous. Vous ne comprenez rien. Notre police nationale, nous promettons la paix d'Haïti. Laissez-nous tranquilles. Les États-Unis n'ont pas de démocratie. Le Canada n'a pas de démocratie. Ils ont massacré la Libye. Ils ont financé des terroristes au Sahel. Ils ont créé des terroristes. Le chaos en Afrique pour déstabiliser la population africaine. Ce qui se passe en Haïti, nous ne pouvons plus nous contenter à regarder ce qui se passe chez nous. Nous, la gangsterisation. Barbecue a financé par qui? La Massange a financé par qui? Ils ont financé par qui? Est-ce qu'on a une police nationale haïtienne? Une police nationale américaine? Je ne comprends rien. Voilà les questions fondamentales que nous devons nous poser. Laquelle en Haïti? Le pont? Laquelle qui provoque cette guerre? Laquelle? On a besoin d'une alternative. On a besoin d'une coopération. On est très précis. On a besoin d'une coopération constructive, saine, transparente. Là où la jeunesse haïtienne peut discuter. Là, nous, on a notre mot à dire. Pas avec des sous-préfets, pas des fondeurs de pays, pas des fondeurs de peuple. Ariel Henry, le sous-préfet, il est un fondeur de pays. Cette police protège les multinationales. Vous n'avez pas honte? On vous utilise pour massacrer des personnes sans défense. Il n'y a pas plus lâche que les policiers haïtiens. Vous êtes des plus lâches. Vous êtes des plus lâches. Vous êtes incapables de déloger les gangs. Mais vous êtes prêts pour massacrer des personnes sans défense, des militants. Bon, maman, Haïti n'est pas votre mère. Haïti n'est pas votre mère. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ce qui va vous arriver, les multinationales américaines, vous allez connaître l'enfer en Haïti. Si vous voulez vous la préparer, vous commencez la troisième guerre mondiale. Vous ferez ce qui va vous arriver. Respectez mon peuple. La mère de la liberté. Le Canada aujourd'hui qui nous insulte. Le Canada est une province anglaise. Le Canada marche sous la tutelle de la politique émergente des États-Unis. Que le Canada, voilà, aille gérer le problème de fertilisation chez lui. Vous n'avez pas de démocratie. Cessez de nous donner la leçon de démocratie. Le terrorisme, c'est vous. La gangsterisation, c'est vous. Les crimes de gangsterisation en Haïti, c'est vous. Tout est privatisé dans mon pays aujourd'hui. L'eau est privatisée. Regarde nos hôpitaux, ce sont des mouards. Aujourd'hui, c'est paradoxal. Je sais pourquoi. Toutes ces guerres, c'est parce que nous avons une terre riche. On a de l'or, du lithium pour envoyer des fusils dans l'espace. Les États-Unis, le Canada, ils sont des complotistes. Ils partagent le gâteau entre eux sans nous demander, sans nous consulter. Nous disons non. Non au néocolonialisme. Non à la politique étrangère extrémiste. Vive l'autodétermination des peuples. On veut être libre. Haïti est un pays libre. C'est nous le symbole de la libération dans le monde. Respectez-nous. Respectez mon peuple. Respectez la jeunesse haïtienne.
Voilà pourquoi nous refusons le diapo russe. Pas parce qu'on veut un autre colonisateur, mais le diapo russe représente un symbole contre l'oligarchie occidentale. On n'est pas contre le peuple américain. On n'est pas contre la population canadienne. Nous luttons contre l'ingérence occidentale, contre les multinationales, qu'il faut que tuer nos populations. Nos cinq jeunes gens, nos cinq fils, que vous avez massacrés de la base 445, c'est un crime contre l'humanité. Vous avez assassiné Jean-Baptiste. C'est malheureux. Il faut croire. Vous êtes des pires lâches. On vous utilise comme des papiers hygiéniques à paysage. Pour détruire les innocents. Pour massacrer mon peuple. Madame Idemlali, voilà. Il faut trouver d'autres alternatives. On veut d'autres partenariats. Des partenariats constructifs. Est-ce que vous entendez les pays occidentaux? On veut d'autres partenariats. Des partenariats constructifs. Parce qu'on veut. On veut des usines. On veut des universités. On veut des écoles technologiques. Nous aussi, on veut aller à la Lune. On veut monter dans l'espace. Nous aussi. Ce qui est bon pour les autres, pour Biden doit être bon pour nous. Qui a assassiné notre président chez nous? Le président a été tué par la CIA. Regardez-vous, bande de pauvres minables. Changez-vous. La sécurité Haïti est planifiée. C'est de l'hypocrisie canadienne et américaine. La guerre civile dans le business. On ne veut pas l'ingénieur sans cesse aussi chez nous. On veut des partenariats avec vos entrepreneurs et vos entrepreneuses, mais pas des coups, pas des partenariats militaires. Vous n'avez pas de solution. Parce que la guerre en Haïti, c'est vous. Les massacres en Haïti, c'est vous. Ce n'est pas Barbecue le problème. Ce n'est pas le Monsanjou le problème. Ce n'est pas Ariel le problème. Le problème, c'est les États-Unis. Moi, je ne suis pas anti-américain. Parce que mes parents étaient participés à la libération américaine. Les Américains ne sont pas plus américains que moi. Cessez de nous infantiliser. Cessez de nous utiliser. Cessez de nous prendre pour des imbéciles. L'abîme de la guerre civile en nous, ça se prépare. C'est le complot des États-Unis, le Canada, la France. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Nous donnons l'infantilisation de notre police nationale. Nous promotons l'armée d'Haïti. Voilà pourquoi vous avez massacré Jean-Baptiste. Regardez-vous. Vous êtes de la merde. Vous n'êtes pas des soldats. Vous êtes des pillages. Les enfants de 6 ans peuvent peser les gâchettes. Oui. Regardez-vous. Regardez-vous. Vous défendez les multinationales américaines. Vous tuez la population haïtienne pour l'intérêt des multinationales. On est clair dans nos demandes, n'est-ce pas? On est très clair. On veut des partenariats constructifs. On veut des partenariats avec vos entrepreneurs et vos entrepreneuses pour construire des usines, pour construire des routes nationales. On veut des routes nationales. Nous aussi, on veut organiser la Coupe du Monde. Nous aussi. Ils disent que la police n'est pas capable d'assurer la sécurité en Haïti. Qui forme ces policiers? Qui forme ces policiers qui sont incapables de déloger les gangs? Qui forme ces policiers? C'est les multinationales, c'est les Américains, les Canadiens. Comment la police? Nous avons 16 unités ne peuvent pas mettre l'ordre en Haïti. Est-ce que vous êtes sérieux? On ne veut pas des partenariats militaires. On veut des coopérations constructives, saines, transparentes. Cessez de nous infantiliser. Cessez de nous prendre pour de la merde. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles. Abat le colonialisme.
Le colonialisme à bas. Le crime de décolonisation. Le colonialisme. Les fortifications de la police nationale. Nous promotons la médaille ici. Merci à Kémy Séba. Merci à Ege Tuézé. Merci à Nathalie Yamb. Nathalie Yamb, nous soutenons. Voilà l'année panafricaniste. Liberté, égalité, fraternité. On a besoin des coopérations constructives, pas des coopérations militaires. C'est votre frère. Demain, James Mouvement, connu sous le nom de président révolutionnaire. Je suis militant politique. Je suis président et coordonnateur général de la libération haïtienne, organisation.